La police dans la ville Inch pays d'Haïti mettait en bas code 8 gros courriers pour diverses infractions reprochées. Détails à venir tout à l'heure comme ça. Toujours dans ça qui est pour accord sécurité, la police mettait la patte sur un membre actif groupe gang 400 Marozo avec papa yon l'autre chef gang. Plus détails à venir tout à l'heure comme ça. Et d'après vous, il y a plusieurs bandits qui déjà brèdent le bouchon dans l'opération la police menait contre groupe gang Silla dans quoi des bouquets. Dans ce qui est pour un phénomène d'insécurité qui a plongé le pays, il y a un examen tué pasteur Mathieu Chériné dans la zone d'Elma. Dossier assassinat Jovenel Moïse, Conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, mandé inspection judiciaire pour tendre juge qui tape instruit dossier à Gary Aurélien. Dans ce qui est pour la crise politique là en Haïti et surtout rencontre sur Haïti. N'a pas gain pour nous faire un résumé donc rencontre Canada sur Haïti n'a pas gain pour nous faire un résumé sur ça qu'a discuté. Ensuite la caille voisin en République Dominicaine Bricouri nouvelle gaie autorité migration pays ici là déporté 6 timinés haïtiens sans parents yo pas au courant pendant t'a pral l'école. Et ben direction générale migration dominicaine là démenti info si là plus détail à venir. Et l'autre bord, il faut regarder que tout le monde connaît qu'a fait un pile bagaille positif dans le secteur évangélique là, surtout dans le rap évangélique là, qui a fait parler de lui en pile sur les réseaux sociaux dernier temps ça yo, après elle était déclaré yon moun qui plaide mastibé ça ne les battre là pour être en bon créole là, li kavin massisi. Une déclaration qui la cause en pile internaute a réagi contre Fregab parce que yo estimé parole homme de Dieu a pas correct. Bon, ces déclarations là, li peut-être valable pour fi kap mastibé ou tout. En tout cas, ou même kap gade vidéo si là, qui sa ou pense de yon telle déclaration? Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information yé, nous pral chercher le pote le baou, Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure ou pas gade vidéo ça. Jodi a c'est dimanche 23 janvier 2022. Bien avant nous entrer dans le détail, on a invité chaque grand monde qui a regardé vidéo ça. Pas hésiter à abonner si vous pouvez faire ça. Et même si vous êtes abonné, vous êtes capable d'inviter l'autre monde pour abonner. Et à chaque fois que vous regardez vidéo ça, donc à tout cliquer sur le petit bouton partager. Partager vidéo ça dans plusieurs groupes. Ça a aidé travail à arriver plus loin. On fait ça qu'on y a là, partager vidéo ça. Bouik chargé pas campé n'a rentré dans détail yo, Choubi Fenelon que on connaît sous nom Yuri Fenelon tout qui c'est un membre actif groupe gang 400 Marozoa qui a simé la trouble là dans quoi des bouquets, joint arrestation li pendant le tap prend soin, li t'a pral prend soin dans l'hôpital dans capitale là après elle t'est fin blessé en bas balle dans face carré ak et entre la police ak groupe gang 400 Marozo a jour qui était mercredi 19 janvier 2022 dans une opération plusieurs unités dans PNH te menen et gen plusieurs autres bandits qui a te brèd le bouchon dans opération si là donc 400 Marozo semblait prendre bon coup dernier temps ça ou là Gokoué a deux pattes si là identifié comme complice dans plusieurs cas kidnapping et assassinat qui fait dans la République. Parallèlement gen yon l'autre Gokoué qui c'est Kesnel Noël qui c'est papa yon chef gang qui relé Wendy Charles alias ti pasteur qui basé dans zone Micho Canier dans rentrée Belkaï qui joine arrestation le tout pendant yon opération PNH et monsieur c'est yon suspect clé pour la police. La police qui fait connait sous instruction commandant en chef là France LB yo lancé opération sans campagne dans diverses zones parmi yo quoi des bouquets pour traquer bandits qui empêchait population en vaquer à occupation. Yon l'autre bord la police dans ville Inch pays d'Haïti mettait la patte sous 8 individus pour diverses infractions reprochées. Premier c'est Altidor Jonel, monsieur qui a 33 l'année, moun Inch infraction reprochée tentative d'assassinat, attaque suivie de blessures sous Maria Vona Adrien qui c'est yon agent sécurité. Deuxième toi c'est Jules Kenol, monsieur Kenal, monsieur gen 33 arrêt côte café sous tête li moun grand latanier infraction reprochée tentative assassinat sous Andou Joseph 69 l'année. Troisième nan c'est Lucien Stéphane li gen 30 l'année sous tête li moun grand latanier infraction reprochée tentative d'assassinat sous Andou Joseph. Quatrième nan c'est Séville Junior li gen 30 l'année sous tête li
moun grand latanier toujours c'est toujours même accusation tentative d'assassinat sous Andou Joseph. Cinquième là c'est Louis Borel, il a 27 années, moun H monsieur accusé de vol de nuit. 6 Joseph Ruch, il a 25 années, moun H infraction reprochée association malfaiteur et le tapsi qu'il est sans pièce d'identité et puis idée contradictoire le tap tandem chez. Septième lan, c'est Marie-Louise Dormeis, li gen 28 l'année sous tête li moun en sagalè, infraction reprochée, il tap si qu'il est sans pièce d'identité et puis le tap tande la parole yo gen contradiction nan yo. Et puis huitième lan, c'est Jonas Cardo, li gen 25 l'année moun en sagalè, infraction reprochée, circulation sans pièce d'identité et puis contradictoire, le tap tande la. La police souligne que Ruth Joseph, c'est un moun qui était condamné. Déjà, il était passé 3 ans, 1 mois dans la prison Grande Rivière, département Nord-Pays. Donc, tout n'a pas à vue poursuite légale. Dans ce qui est pour le phénomène d'insécurité qui a prolongé le pays, Pasteur Mathieu Chériné, c'est une nouvelle victime en Babal, bandit vendredi 21 janvier 2022 dans Delma 41. Pendant le temps, tenté de sauver un bayon kidnapping selon le premier élément info. Pasteur Sila, qui c'est yon responsable l'église Malaleel, nan Delma recevoir plusieurs balles nan mitan jounen vendredi. Dossier assassinat Jovenel Moïse, Conseil supérieur pouvoir judiciaire la, mandé inspection judiciaire, tande juge qui tape un suit dossier à Gary Aurélien. Maître Jean-Robert Constant, qui c'est secrétaire technique dans Conseil supérieur pouvoir judiciaire la, écrit directeur inspection judiciaire là Sonel Jean-François pour m'aider la prendre disposition pour tander juge Gary Aurélien suite à Godis accusation RNDDH a fait contre magistrat qui t'a prend l'argent en main donc qui t'a apprend l'argent en main moun accusé qui accusé pour blanchir. Dans ça qui gagne pour la crise politique Haïti a souligné pour sous demande d'un pays Canada te gen gros réunion qui fait en soi Haïti. Nous allons résumer ce que tu dis dans la rencontre par visioconférence. C'est ministre Affaires étrangères canadienne Mélanie Joly qui te présidé la rencontre. Premier ministre canadien Justin Trudeau et premier ministre haïtien Ariel Henry te prend la parole dans le commencement de la rencontre. Secrétaire d'État adjoint américain Wendy Sherman te représenté aux États-Unis. Secrétaire Sherman te parmi 24 responsables gouvernement étrangers. Puis, fort parmi eux, ministre. Qui te participé dans discussion gagné secrétaire Nicole qui déclarait m'a cité ça qui vraiment impressionné c'est engagement pays dans hémisphère européen yo pays asiatique yo prend pour redoubler effort vis-à-vis Haïti. Principal sujet discussion insécurité et support pour police nationale Haïti, service pompiers et service soins santé Haïti. Des principales discussions. Yo mette accent tout sur l'importance yon solution haïtien pour faire face à défi pays a gen pour lever dans divers domaines et puis retour institution constitutionnelle yo ak yon gouvernement démocratiquement élu. Premier ministre Henri te parlé de engagement li pour le joindre yon consensus politique pour résoudre crise pays a. Dans ça qui gen pour ak assistance Canada pour mettre 50 millions canadiens. Assistance États-Unis by 15 millions pour police nationale Haïti PNH l'a voué 16 experts by formation pour unité SWAT garde frontière 60 nouveaux machines équipement protection activité anti-corruption ak anti-gang en prison qui gagne trop moun là-dedans États-Unis by 100 millions à travers USAID pour aider victimes tremblement de terre yo. L'ONU a planifié une rencontre donateur pour le mois de février pour Haïti, Chili, Argentine, Brésil, Japon a aidé Corée police nationale. Quant à pour date 7 février, donc, Nicole a déclaré mandat Premier ministre Ariel Henry parlé avec mandat président 7 février. Donc, ça peuple haïtien et voulait espérer c'est pour continuer faire progrès pour qu'il y ait élection à qui un président élit démocratiquement sous sa gouvernement a travail kounye a et li fait qu'on li quoi que peuple haïtien concentré sous date 7 février. Les États-Unis et la communauté internationale la vle assurer que police nationale haïtienne Paris pour faire face à l'insécurité. Et pour question intervention militaire qui toujours a parlé, secrétaire Nicole déclaré m'a cité nous pas discuter sur ça pendant rencontre ministre. Et pour question confiance dans PM Henry, secrétaire d'État adjoint pas répondre question ça
directement le journaliste fait remarquer premier ministre Taka impliqué dans assassinat président Jovenel Moïse. Ça nous discuter c'est importance pour tout acteur politique haïtien yo coller tête ensemble pour entendre yo sous yon vision unifiée pour l'avenir. Ministre réitérer ça et premier ministre exprimer engagement li pour faire ça selon déclaration Nicole. Quant à pour élection, déroulement élection pral dépendre de conditions qui existaient dans le pays. Nicole dit li ajouté faut candidat yo kamene campagne, organiser meeting ak partisans yo, faut conseil électoral provisoire ka fait travail comme ça doit. Il faut gen un consensus politique suffisant pour pousser pour plus devant ak élection. États-Unis pas gen aucun date fixe, li a pied mais plus bonheur c'est plus bien d'après secrétaire. Mexique exprimé volonté li pour aider Haïti gérer élection an, et puis bay assistance technique matérielle ak logistique si nécessaire. Quant à diaspora, Nicole dit moi rencontré personnellement diaspora haïtienne en Miami ak nouveau ak à New York et moi rencontré virtuellement diaspora haïtienne en Boston. Nicole dit ak voix créole li admet que yo pas toujours entendu yo, cependant nous croyons ak tout kenou que diaspora haïtienne ka aider nous comprendre pi bien pays a et puis ba nou opinion valable que nous ka servi le n'a pas développé politique nous, déclaré Nicole. Nous pral il dit nous pral continuer parler avec diaspora et puis travail avec yo dans l'avenir. Dans l'autre bord, il y a autorité dominicaine yo à travers direction générale migration sorti une note pour démentir info qui t'a fait quoi 6 timinaires haïtiens qui t'a pris l'école avec uniforme t'a arrêté et puis déporté sans accompagnement parents yo. Direction générale migration fait connait 6 timoun sa yo agent migration t'a pris vraiment mais c'est pas l'école yo t'a pris donc même si yo t'a bail yo pas bail détail. Mais yo vle fè kwè, c'est dans la rue Timon sa yo te ye. Immigration pran yo aller nan bureau Aïda pour te pran info ensuite pour te ka remettre à Konani qui c'est bureau qui gère dossier Timon. Après ça, pour remettre Timon sa yo bay organisme tankou UNICEF pour ka localiser et famille yo. En tout cas, yo rapporté que nan joua tout moun ki te déporté yo soit 41 environ, donc parmi yo 13 Timon. Tout te accompagné à parents. Ces détails ça aucun te pote pour une vidéo ça déjà n'a dit tout le monde bye bye pour une autre vidéo.